c'est que vous dites que la physique quantique, c'est un peu le Graal de la science-fiction parce qu'elle permet plein de choses, et c'est ce qui vous a donné l'idée d'utiliser des héros de science-fiction, des super-héros, pour essayer de nous introduire à ces notions. Oui, tout à fait. Ben, quand on pense à Superman, on pense à ses yeux laser, souvent, et ce que on ne sait pas forcément, c'est que les lasers, c'est un pur produit de la physique quantique. Ça ne peut pas exister sans ça, et ça n'a même pas été envisagé que ça puisse exister avant que la physique quantique ne naisse. Il y a bien d'autres choses. Le fait de traverser les murs, ça peut correspondre à ce qu'on appelle en physique quantique l'effet tunnel. Il y a beaucoup d'effets qui nous paraissent un peu bizarres, mais qui du coup, pour le moins, ont un vrai potentiel pour faire des super-héros et de la science-fiction. Ouais.